comme normalement, c'est bien cadré. Hein. C'est bon là? Ouais. Ben, bonjour, bonjour à tout le monde. Hein. Ouais. C'est notre première vidéo. Bon ben, faudra pas nous vouloir si elle n'est pas bien faite, notre vidéo. Hein. Du coup, on vous partage une recette. On vous partage une recette de galettes des pommes de terre. En alsacien, on dit Krumperkäschle. Moi, on a déjà prédécoupé, on a déjà préparé, sinon ça fait trop de bruit. Oui, on a déjà fait la pâte parce qu'on a une machine qui fait du bruit, alors on l'a préparé. On a déjà râpé les patates, pas la pâte. Oui, râpé les patates, excusez-moi. Hein. Râpé les patates en fines lamelles, en robot. On a préparé des lardons. Tout le monde n'est pas obligé d'en mettre, hein, pour mettre des bits de jambon ou nature. Farine, oignon et persil. Et poivre, c'est là. Ouais. Celui-là qui. Chacun sa dose. Hein. Ouais, voilà. Comme on en parle. Bon, ben voilà. Alors, on va mettre. Les oignons. Les oignons, après le persil. Après, c'est votre quantité, ça vous de gérer. Nous, on a fait un peu beaucoup parce qu'on donne un peu pour la famille aussi. Ouais. Donc, forcément, il y a une plus grosse quantité. Mm. On partage. Nous, on est partage. On est beaucoup. Voilà. On partage. Bon, voilà, on peut commencer. Hop là. Moi, je me lève. Un peu gênant de faire la vidéo. Ouais, c'est la première fois. Alors ouais, parce que c'est compliqué de parler à son téléphone tout seul. Et puis, je sais ça pas va venir avec le temps, mais bon. Voilà. Je mais tout, les... non. Non, ça suffit. Hein. Ouais, sinon. Ouais, ça va. On va avoir des gaz, sinon. Moi, ça me dérange pas. Ah, si, c'est chiant. Au moins, ça nettoie, là. Je vous le dis. Bon. Ça promet les vidéos, hein, mais bon. Oui, hop. Hein. On va faire plaisir au Breton. Ouais, au Breton. Guillaume et Cécile. Ouais. Bonjour Guillaume. Parce qu'on rigole beaucoup Cécile. Avec leurs vidéos. Bon, après, ils ont pris l'habitude. Hein. Les minous, gros bisous aux minous. Nous, on débute, on n'a pas l'habitude, oui. Encore moins de se montrer, donc déjà là. Ou pardon. Ben, normalement, ça se fait à la. Le persil, on l'a déjà haché. Hein. Oui, à la mer. Persil frais. Moi, je préfère me prendre la main. Désolée, je prends la main parce que c'est mieux. Avec la quantité, oui. Oui, je préfère mieux. Ils sont lavés mes mains. Ben, tout le monde aime ça, donc on en fait une quantité pour pouvoir partager à la famille. C'est pas des trucs excessifs, de toute façon. On se voit tout mélanger. La prochaine fois, c'est toi qui fais. Il y a assez pour tout le monde. Hein. La prochaine fois, c'est toi qui fais le mélange. Moi, ça va, j'ai la chance, j'ai mes mains qui restent propres. Vas-y. On met pas mal de persil, hein, parce que ça c'est très bon, ça. Ça donne un bon goût. Ah, les œufs. On a oublié les œufs. Ah, les œufs, oui. Oh là là, bah, ça commence bien. On s'excuse, hein. On vous montre. Alors. On a le droit aux erreurs. Oui, oh ben, c'est la première fois qu'on fait une vidéo. Ben. Alors là, mon vieux, pour mettre du poivre, tu peux y aller, hein, parce que. pas beaucoup qui sort là-dedans. Ben, j'en ai un autre. Hein. Le sel, je mets très peu, hein, des lardons. Oui. Alors, moi, je n'ai pas trop beaucoup de sel. Non, moi non plus. Donc, à rajouter ceux qui veulent un peu plus de sel. Bon, je reviens, je vais chercher les œufs, parce que du coup, on a oublié. Oui, excusez. On s'excuse. Pour les cacahuètes. Voilà. Combien d'œufs il faut mettre? Voilà, tu peux mettre quand même. Écoute, on en met 3 ou 4. Au moins 4, je oui, pense. 4. Vu la quantité. Oui. Parce que c'est. On aura du boulot après pour la cuisson, moi. On va transférer. Horton. Non, moi, ça je va. Croyais que c'est ton père. Non, le portable, il tient. J'ai fait un petit bordel pour pouvoir fixer le téléphone. J'ai pas de trépied, alors j'espère que vous voyez bien. Hein. Voilà. Oh, je t'inquiète. On fait comme à la maison, hein. Parce qu'on est à la maison. Hein. Encore gros, là. Voilà, putain, j'ai mal au bras. À la crampe. Simple. Ouais.
On accepte tout le monde. C'est la méchanceté, je l'aime pas, moi. Non. Les critiques non plus. Non. Tu des fois, j'aime bien qu'on m'explique comment faut faire. Oui, on adore ça. On adore ça quand apprendre. Les gens ils nous disent comment il faut faire, si c'est bien fait ou mal fait. Et qu'il faut faire comme ça, nous, on accepte ça. Hop là, voilà. Encore un peu. Et puis c'est bon. Ah, après, il faut prendre. Alors, je vais verser à côté. Pas grave, on le met pas après. Ça, so, encore un tout le reste, et puis c'est bon. Hein. Ceux qui cuisinent propre, c'est qu'il y a un problème. Hein. Tout le monde fait des conneries à la cuisine. Merci. Tu veux que je te partitionne? Non, merci, ça ira. J'ai pris ma douche déjà. Là, j'ai les chiens qui vont courir après avec les lardons. Mais là, tu peux même décorer le mur avec. Je me fais des conneries. Ça va ou encore? Oui, ça va. Regarde, ça va. Regarde, tu vois. Attends, je vais montrer au niveau de la texture. Attends, je vois, parce que moi... ouais, voilà. Je pense que ça fonctionne, hein. Moi, je sais pas. Le temps que la farine, elle prend un peu. Oui. T'as une meilleure consistance. Bon, je filme comme je peux, hein, parce que c'est pas évident. Hein. Je trouve un trépied où que je peux bien montrer en hauteur. Voilà. J'ai déjà trouvé une technique, c'est déjà pas mal. Ça te va. Ça à laver. Ça te convient, mais il faut faire un essai avec une. Il hein. Faut d'abord essayer, manger cette pour ça se tient. Oui. Alors, du coup, patate, râpée, persil, frais ou pas frais. Hein. On prend ce qu'il y a à la maison, hein. On n'a pas tous les placards remplis. Des oignons, lardons ou des jambous en nature, hein. On peut faire. Hein. Et farine et des œufs, j'ai dit, je crois. Oui. Sel, poivre à votre quantité. Hein. Après, vous faites la quantité que vous voulez. Hein. Vous voyez déjà au niveau de la texture, si c'est bien consistant, c'est que c'est bon. Même du gruyère, vous pouvez mettre dedans, si vous n'avez pas des lardons. Du gruyère ou du jambon, c'est pas mal. Je l'ai déjà effarfé. C'est très bon, ça. Ouais. Même trop bon. Voilà. 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 On nettoie notre bordel, hein. Voilà, Véro. Ça te convient? Ben oui. Alors, c'est bien, je suis content. Voilà. Ah, le minou! Au rayon, mon bébé! Trop minou. Désolée, voilà. Je lave les mains. Ah, il est reparti le chat. Ça va. Oh. Aujourd'hui, ça va, il fait un peu moins froid. Ça, si c'est pas l'eau chaude qu'on a un problème, c'est le chauffage. C'est toujours quelque chose. Non, l'eau froide, elle est froide. Voilà. Voilà. Oh, j'ai d'autres abonnés que j'aime bien regarder, moi. Ouais. Ouais, j'en ai 3-4. J'aime bien les gens simples. Ouais. Oh, c'est notre café, hein. C'est l'Alsace, hein? Alsace. Oh ben voilà. Donc, on va commencer à les faire. On montre un peu comme ça que ça donne. Et après ça, on cuit à la poêle avec un peu de l'huile. On fait des galettes. C'est pratique, c'est plus vite fait. Je sais même pas comment on tourne la caméra quand on est en train de filmer. Je débute vraiment. Hein. Bon, bah, du coup, je vous dis à tout à l'heure et on vous montrera ce que ça donne sur la poêle. On va essayer une. A plus. Et ma caméra, c'est l'une. Voilà. Donc, ça chauffe un peu quand même. Je mets un peu plus vert de ce côté. Thank you.
Non, je filme en bas, moi, je filme là. J'ai le téléphone à la main. Voilà. On peut se faire là. On vous montre un peu comment on a les premiers. Encore une? Ben oui. Voilà. C'est des belles galettes. Voilà. C'est bien, bien cuire. Voilà. Maman, tu peux mettre 4. Oui, voilà. Mais parce que j'ai fait toute petite aussi. Oui. Quand on est seul, mais là, après, il y en a pour un peu les filles et tout ça, quoi. On va s'en mettre. T'as envie de dire, hein? Non, je l'ai pas vu. C'est toi qui le dis? Il a mal au ventre ce chat, mais rien à faire. Oui, mets mon doigt là, tu ne peux pas. On a du boulot, hein. Ah, heureusement qu'on n'en fait pas tout le temps. Qu'il soit dans mes pattes, ce chat. Ah, il est toujours derrière le terre. Va au lit. Va dormir. On va mettre un peu plus bon. Hein. Tant que ça croustille un peu, et après, hop, on tourne. Mais moi, je le fais. Je... Oui. Parce que, par contre, ça demande beaucoup de gras. Hein. Ça aspire, hein. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on met du papier. Ça aspire beaucoup, hein. On en fait rarement. Mais. Tu vois, là, ça prend. Voilà. Attention. Un, deux, hop là. Eh ben. Ouais. Mais t'as pas de spatule. Non, je sais pas si je fais tout ça. Mais tu prends une fourchette et la spatule. Ça va mieux parce que c'est plus large. Et ça, c'est plus pratique. À côté, et voilà. Et voilà. Bon, bah, c'est les premiers, là. Hein. Bon, ils sont bien, hein, oh. Je peux pas. J'arrive pas avec ça, moi. À l'ancienne, hein. Ouais. Je suis autrement coucou. Hop. Ça, c'est encore pas tout à fait le sens. Hop. Voilà. Maman, ça se fait pas avec ça. Oui, ça raye les poils. Ouais. Ah, Guillaume, il est déjà en train de faire une crise de nerfs. Oh non, prends pas les fourchettes. Je n'aime pas. Bah, après, c'est sûr, ça raye les poils. Hein. Oui, ça raye les poils. On s'est déjà pas donné une poêle, merci. Hein. Voilà. C'est vrai qu'en bâton, comme ça, en tout cas en bois, il n'y a pas beaucoup de... Des trucs basiques, quoi, il y a seulement. Après, des fois, on a besoin des trucs plus larges. Comme là, quelque chose de large, mais en bois, il n'y a pas. Hein. Que les spatules basiques. Mais moi, j'ai toujours fait avec les fourchettes. Hein, ouais, les trucs en silicone, ils sont bien aussi. En silicone. Les spatules en silicone. J'en ai un, moi, j'ai un truc par là. Oh, mais ça va pas, ça. Faut soulever, faut tourner. Ouais. Tu vois, qu'est-ce que je t'ai pas dit? Regarde l'huile. T'as vu? Ça aspire, l'huile, là. J'en ai beaucoup, oui. Non. Ça, comment dire, pour faire le sel, je presse. En revenant, ça pousse l'huile. Heureusement qu'il n'y a plus rien. Et mon bébé. Hop là, ah, ben voilà. Vous voyez. Ils sont jolis. Ah, je sais pas. Hop là, on va de ce sens, comme ça. Hop là, on tourne. À la main, les belles. Je vais essayer quand c'est fini. Oui. À tout à l'heure. Hop. Donc, du coup, voilà. On a déjà quelques-uns qui sont prêts. Hein. Voilà, bon. On continue, hein. On fait que des galettes. Hein, jusqu'à ce que. Épuisement. Du saladier. Jusqu'à ce qu'il est vide, quoi. Et là, on en a un.
qui nous surveille. Il a faim. Ah, Oréo. Oréo, tu dis coucou à Guillaume et Cécile. Ouais. Il peut pas partir. Hop là, il a entendu un avion et il part. Qu'est-ce que c'est, une chochotte, ce chat? Ouais. T'as coûté déjà pour voir si c'est assez beau? Non, ça va. Du coup, ben, on va finir ça et puis on vous montre la suite après. Alors, à tout à l'heure. Un tout petit peu pour les laisser. Oréo, il fait sa micro-sieste. Hein, Oréo? Qu'est-ce qu'il y a? Fais ta sieste? Ça y est, c'est l'heure. Bon, moi, je suis enrouée. C'est la période. Là, on est toujours en cuisine. Après, je prends le relais. À tout à l'heure. Donc, voilà. Mais du coup, on s'est pris deux poils hein, pour que ça va un peu plus vite. Parce que vu la quantité, on donne aussi à mes filles. N'est que des filles. Hein. Ça avance, ça avance. Ça donne bien. Ça accompagné d'une salade, hein? Oui, une salade. Déjà que nous, on est des fous des salades. Il y en a qui font de la soupe. Vous mangez ça avec la soupe? Non, moi, je préfère qu'une salade. Hein, parce que ça fait pas les personnes. Du coup, ben voilà, moi, j'ai fait une assiette. Hein, comme ça. T'as pas dit à Guillaume que tu es chez mamie? Ben, il le sait, hein, t'inquiète pas, il nous connaît à force. Il le voit, puisque vu que t'as le chacha là qui est sur la table, hein. Comme t'as heureusement qu'on a tout débarrassé. Hein? C'est quoi ce bordel? Lui, il est comme d'habitude. Il fait pas chier, hein. Ouais, il aime bien. Donc là, maintenant, il va récupérer sa chaise. Et tu ne dépasses pas la chaise. C'est où tu veux aller. Bon ben voilà, on vous dit alors à la prochaine hein, pour une prochaine vidéo en espérant que ça vous plaît. Hein, quand c'est fini, on vous le montre. Quand c'est fini, on vous montre. Ça y est, on a montré là. Et quand, on vous dit à la prochaine, on va essayer de faire la prochaine fois des quoi? Des mails spéciales. Oui, des mails spéciales avec une viande et peut-être une salade ou alors. Mails spéciales, ouais. On va essayer ça hein, parce qu'il faut que je trouve un trépied parce que c'est pas évident. Hein. Au niveau des vidéos. Oui, pour faire tenir le téléphone. Ah oui, t'as vraiment fait ça. Mais maintenant, je ne sais même pas comment on tourne. Maintenant, quand tu es en plein vidéo, pour tourner l'autre sens. Enfin, bref, quoi. Bon, ben, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Hein, et bon appétit. Hein. Ouais. Et coucou à tout le monde. Hein. Ouais. Amusez-vous bien. Bonne journée, merci à la beaucoup. Prochaine. Au revoir.